you out of that sunny day into deep shades. Pop that bubble, you stay, give you edge, all saints. The industry all faints and quakes at the arrival. Bonjour, ici Hervé Matou avec Pierre Ménès pour vous commenter ce match. Salut Hervé, bonjour à vous tous et j'espère qu'on va voir un grand match. Pierre, un petit mot sur l'équipe visiteuse. Si vous voulez mon avis, c'est pas un hasard si on retrouve cette équipe en tête du championnat à ce moment de la saison. Je les verrais même champion, moi, tiens. Un petit pronostic peut-être, Pierre. Ah, je l'attendais, celle-là. Bah, pour moi, ça va se jouer à pas grand-chose. Les deux formations sont du même niveau. Ça peut se jouer sur un coup de pied arrêté, cette affaire. Hein. Comme ça, tu vois, je me mouille pas trop. On a clairement affaire à une équipe qui n'hésite pas à aller presser les joueurs adverses. Tu t'attends à quoi, Pierre ? Bah, ce que tu viens de dire, Hervé, c'est une équipe qui aime avoir le ballon et surtout qui cherche à le récupérer dès qu'elle le perd. Enfin, je dis ça, je t'apprends rien. Hein. De toute façon, tu sais tout. Pierre, les qualités de cette équipe, on les connaît, c'est avant tout la contre-attaque. Le plan de jeu aujourd'hui, ce sera quoi, à ton avis ? Bah, les joueurs vont rester bien disciplinés derrière. Ils savent qu'ils peuvent faire mal devant, donc je les vois mal abandonner une stratégie qui a déjà fait ses preuves. L'équipe en pleine confiance, qui reste sur un succès à domicile. Ouais, l'équipe avait emporté 4-2, mais aujourd'hui, je miserais plus pour un nul. Allez, c'est parti, ici avec le coup d'envoi de ce match donné à l'instant. Le long de la ligne de touche. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Il y a peut-être moyen de placer un contre, hein, attention. Christian Benavente. Allez, il y a du monde pour reprendre. Il ne trouve personne sur ce centre. Gökhan Töre. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Gökhan Töre. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Elle a mis beaucoup d'agressivité hein, dans cette intervention. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Le tir. Bon, attention, c'est pas fini. Et cette action qui se termine dans les bras du gardien. Ah, il l'a voulu, hein, il l'a mérité. Hein. Ah ouais, c'est vraiment le travail du gardien qu'il faut mettre en évidence sur cette action. Remarquable. Van Aken. Interception. Bon, ça va être une occasion. Attention, le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Corner à suivre, il va peut-être y avoir danger. Il n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but. Avec un tir. C'est quand même dommage hein, de gâcher un corner comme ça. Ouais, je vois pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Attention à la frappe. Oh, magnifique! Le gardien a bien joué. Corner, le ballon est sorti des limites du terrain. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ah, et bien fait de la part du gardien sur ce ballon dans la surface.
Allez, peut-être. Ah oui, la bonne passe. Ils ont continué à progresser. Attention. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. La frappe. Oh, le but! Le premier but dans ce match. Ah, ça, c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri, ma bonne dame. Ouais, la frappe, elle ne laisse aucune chance au pauvre gardien. Cette distance, c'est quasiment imparable. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Sofiane Amrabat. Van Aken. Perbé. Une frappe lointaine, on ne sait jamais. Et ce ballon qui sort en corner. Belle action avec une belle frappe de loin, mais bon arrêt du gardien. On voit bien sur les images que le tireur essaie de mettre de la puissance, mais ça ne suffit pas. Ah, bien frappé. Raphaël Guerreiro. J'avoue que j'ai pas tout compris là sur le corner. Espérer mieux, c'est sûr. Ce sera une touche. Raphaël Guerreiro. Dion Kools. Et ils obtiennent un coup franc. Sauf. Oh, c'est bien donné en profondeur. Le Cannes Toreux. Oh, l'arrêt du gardien magnifique. Ah, c'est incroyable Hervé, c'est un arrêt de handballeur qui vient de nous faire, super. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Il choisit la frappe. Ah, il s'est pas embêté avec la relance. Hein. Boum. Il centre vers ses partenaires. Ce centre qui ne donne rien finalement. Ce sera une touche à suivre. Dokkan Toreux. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Sofiane Amrabat. Ouais, bonne inspiration sur cette passe. Elle la voilà la frappe. Le gardien qui repousse. Bonne maîtrise hein, sur ce tacle. Touche à suivre. Dokkan Toreux. Avec un tir. Et frappe contrée par le défenseur. On va suivre ce match dans cette enceinte relativement grande. Alors attends, je regarde. C'est annoncé pour 43 000 places. Moi. Ouais. Dion Kools, Van Aken. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Il prend la frappe. Ah, ça passe largement au-dessus de la barre.
Oh, c'est une balle d'égalisation. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Oh, la belle passe. Un superbe geste défensif. Le gardien qui a fait ce qu'il fallait sur cette action et même un peu plus. Mais attention, hein, il ne pourra pas faire de miracle à chaque fois. Christian Benavente. Ah oui, c'est bien fait ça. Ah oui, la bonne passe. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Il fait opposition avec son corps pour protéger la balle. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. La voie est libre. Le centre vers ses coéquipiers. Le défenseur qui contre ce ballon. Oh, l'égalisation ! L'égalisation, Pierre ! Ouais, ouais, les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance, peut-être, dans le camp d'en face. On voit que le gardien touche le ballon, mais ça n'a pas suffi. Ouais, à quelques centimètres près, il pouvait espérer mieux. Et voilà donc à égalité, un but partout. Ça y est, c'est la mi-temps. Première période équilibrée hein, au niveau du score, un partout. Les visiteurs qui concèdent pour le moment le nul à la pause. Un scénario inhabituel jusqu'ici avec la meilleure attaque du championnat. Mais il reste 45 minutes pour que tout revienne à la normale. Allez, c'est parti. Ici avec le coup d'envoi de ce match donné à l'instant. Allez, ça y est, début de la seconde période donc. Et oui, et on espère voir autant de beaux jeux qu'en première. Massimo Bruno. Oh, c'est bien donné en profondeur. En profondeur, attention. C'est touché hein, par le défenseur. Ce sera un corner. Le corner, le Torrent de Soleil. Oh, à côté! Oh, il la met à côté! Oh non, c'est pas possible! Ouais, enfin, ceci dit, ça s'est pas joué à grand-chose. Hein. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Oh, le grand danger! Mais ils ont bien failli prendre les devants avec cette occasion. Martos. Alors que c'est sûr maintenant, hein, la formation a été officialisée par le club. Nabil Fekir a signé au Borussia Dortmund en provenance de l'Olympique Lyonnais. Oui, sachez que la transaction se situerait dans des sphères assez folles. Encore un bon ballon. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ah, c'est mal joué. L'appel, il aurait dû attendre un peu. Martos. Attention à cette perte de balle au milieu. Il est le premier sur cette passe. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Ouais, la frappe. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu.
Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Ah non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Dylan Coles. Et la voilà la frappe. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Dylan Coles. Il cherche un coéquipier dans la surface. Tranquillement hein, pour le gardien ce centre. Belle prise de balle. Alors le ballon est perdu. Oh, que c'est bien donné ça. Oui, bien donné cette passe en profondeur. Ouais, il est bien placé pour centrer. Allez, il y a du monde pour reprendre. L'arbitre qui accorde le corner. Un remplacement du côté du cercle Bruges. Hervé, on va voir si ce changement modifie le cours du match. Il a cherché le point de Torian de Soleil. La belle inspiration sur ce corner, mais il n'y aura pas but. Bah, il s'en est fallu peu. La défense et le gardien ont eu chaud. On revoit ce ballon qui passe au-dessus finalement. C'est dommage de ne pas cadrer ces occasions, franchement. Il est sur la trajectoire. Le long de la ligne de touche. Ah oui, hors-jeu. Hors-jeu, c'est net. Ah oui, coup franc, a dit que l'arbitre. Il y avait bien faute. Un remplacement du côté du cercle Bruges. Ah, c'était la meilleure chose à faire. En tout cas, c'est ce que pense l'entraîneur. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Bomber. Ouais, on passe par les côtés. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Et on a dégagé pour écarter le danger. Il récupère le ballon sur cette interception. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Vossen. Le gardien qui repousse, attention! Ah, bien appuyé ce centre. Allez, ça joue encore, mais la défense est en place. C'est un corner à venir qui peut donner à cette équipe l'occasion de prendre l'avantage. Le corner en direction du point de pénalty. Le dégagement pour éloigner le danger. Ah, la bonne inspiration sur cette passe. Il s'est bien repris en récupérant ce ballon. Warmer. Warmer. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ah, il a le temps de centrer. Un petit coup d'œil au chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Il va s'appliquer sur ce centre. Attention à la frappe. Oh, il y est ! Oh, le but de la délivrance ! Le but de la délivrance ! Ah, il fallait aller la chercher, celle-là ! C'est vraiment bien pour la confiance d'avoir trouvé la solution. Attention ! Attention à la réaction de l'adversaire ! Ah, le ballon qui rentre. Pourtant, le gardien l'avait touché. Ah, dommage, il a réagi avec un dixième de seconde trop tard. Et 2-1 donc maintenant. Ce ballon qui est intercepté. Oh, qu'il est important ce ballon, oh, qu'il est important. Ouais, le public qui pousse là dans ces dernières minutes. Il peut y avoir le feu, hein. Allez, il peut égaliser là. Et oui, il y est. Oh, l'égalisation. Oh, quel coup de théâtre!
Ah, c'est clair, il reste très peu de temps à jouer maintenant et il y a des chances qu'on en reste là. Cette égalisation qui vient à un bon moment. Hein. Fin de match comme ça, ça fait mal à l'adversaire, c'est sûr, mais belle preuve de combativité en tout cas. Le but sous un autre angle. Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. Marvelous Nakamba, il est Vossen. On s'approche du but. La passe est interceptée. Bien joué le gardien, il dégage. Warmer. Le ballon qui sort, touche. Bonne interception. Allez, il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Oui, il va centrer. Le centre vers ses coéquipiers. Ouais, cette frappe qui est contrée. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh là, un petit peu ambitieuse là, peut-être la volée. Oui, alors tu vois, là tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré. Un public qui siffle cette passe en retrait vers le gardien. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oui, bien donné, cette passe en profondeur. Vossen. Oh, il marque le but qui délivre son équipe. Qui délivre cette équipe qui aura fourni de nombreux efforts dans ce match. C'est normal. Ah ça, on peut dire qu'elle a fait tout ce qu'il fallait, mais c'est clair qu'elle aurait aimé marquer ce but un peu plus tôt. Ça a été long à venir et encore, c'est même pas terminé. Donc attention. On voit que le gardien touche le ballon, mais ça n'a pas suffi. Ouais, à quelques centimètres près, il pouvait espérer mieux. Peut-être le but de la victoire, hein, Pierre. Ah, c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Hein. L'arbitre vient de consulter son chronomètre et siffle à l'instant la fin de ce match. Les joueurs qui sont marqués à un moment de quitter le terrain après cette défaite. C'est donc une défaite en déplacement pour cette équipe. Vraiment dommage que la défense de cette équipe n'ait pas été à la hauteur aujourd'hui parce qu'elle avait encore marqué deux buts, mais c'est insuffisant. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. La frappe. Oh, le but. Le premier but dans ce match. Ah, ça, c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait dans... Perbé. Une frappe lointaine, on sait jamais. Et ce ballon qui se rend en corner. Oh, c'est bien donné en profondeur. Le canteureux. Oh, l'arrêt du gardien, magnifique. Ah, c'est incroyable, Hervé. C'est un arrêt de handballeur qu'il vient de nous faire. Super. Le centre vers ses coéquipiers. Le défenseur qui contre ce ballon. Le gardien qui repousse, attention. Bien appuyé ce centre. Allez, ça joue encore, mais la défense est en place. C'est un corner à venir qui peut donner à cette équipe l'occasion de prendre l'avantage. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Il va s'appliquer sur ce centre. Attention à la frappe. Oh, il y est. Oh, le but de la délivrance. Le but de la délivrance. Ah, il fallait aller la chercher, celle-là. C'est vraiment... Allez, ils peuvent égaliser là. Et oui, il y est. Oh, l'égalisation. Oh, quel coup de théâtre. Ouais. Là, c'est clair, il reste très peu de temps à jouer maintenant. Et... Oui, bien donné, cette passe en profondeur. Vossen. Oh, il marque le but qui délivre son équipe. Qui délivre cette équipe.